voilà, juste si on entend bien ma voix, le... enfin, dans les options, est-ce que on va mettre les musiques normales. Par contre, je peux pas du tout diminuer le son, c'est un peu cool. Ouais, bon, bah on entend tout. Bah écoutez, bienvenue à vous. Et bah sur ce stream de Double Dragon 4, donc là on est sur PS4, donc le jeu est sorti là il y a quelques jours, hein, début février, sur PS4 et PC. Donc on va se faire du mode histoire. Alors j'ai déjà fini le jeu, hein, j'ai débloqué le mode tour, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un peu le jeu avec différents persos, hein. Vous voyez que j'ai débloqué quasiment tout le monde, je crois qu'il m'en manque qu'un seul. Donc je vais essayer en fait à chaque fois de faire un niveau avec un perso différent. Parce que de toute façon là en appuyant sur Start on peut commencer dans les niveaux qu'on veut. Donc je pense que là je vais faire le premier niveau avec Billy. Et puis ensuite je quitte, je fais le deuxième niveau avec un autre perso, je quitte, je fais le troisième niveau encore avec un autre, etc. etc. Bah là il y a le scénar, hein. Je vais vous laisser lire si vous voulez, vite fait. Voilà, donc vous êtes percuté en voiture et vous devez aller voir ce qui se passe. Donc niveau gameplay, on a une touche de saut, un bouton de coup de poing, un bouton de coup de pied. Et après on a trois touches pour les attaques spéciales. Donc là je les ai déjà mis, hein, je les ai configurées. Il y a cette attaque là, il y a celle là, et il y a celle là qui permet de taper derrière. Sachant que tous ces coups là en fait c'est des raccourcis. Vous pouvez les faire si vous combinez par exemple le poing et... enfin. Pied et saut en même temps, ou point et saut en même temps, etc. Il y a des façons de les faire pendant les combos. Et on débloque des coups. Donc là, le coup de tête, lui, il a une particularité, c'est que si on le fait, on donne coup de poing, coup de pied, ou on appuie sur saut pendant qu'on fait le coup de tête, il fait cette attaque-là, donc l'attaque, l'espèce de vrille, qui enlève d'ailleurs pas mal de vie. Il y a quoi d'autre comme particularité? Ah oui, quand on saute, on retombe, vous voyez là, sur les genoux comme ça, on a deux coups, on a soit l'uppercut, soit le coup de genou. Après, on a une attaque sautée comme ça et on a le Tatsumaki, hein, donc il faut appuyer en fait au moment où on est tout en haut du saut. Et puis après il y a des combos, hein, je vais vous montrer les différents combos que je connais. Donc il y a point à point point, hein, tout simplement on va donner trois coups de poing. Voilà, celui-là. Après on a pied-pied. Alors attendez, je ne vais pas toucher, hein, je vais rater. Voilà, deux fois pied. Hop. Après on a point pied-pied. Après on a pied point comme j'ai fait et comme j'ai fait là. Et alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut aussi combiner les combos qu'on voit là avec des coups spéciaux. Donc je peux par exemple faire point et faire directement l'attaque spéciale où on donne le coup de tête. Alors tu as 2 minutes de retard, c'est inadmissible. Salut Otani Sensei. Ah j'ai même plus, hein, j'ai 1 heure et quelques de retard. Hein. Le bruitage Dolby Atmos. je devais streamer à 20h à la base mais j'ai pas pu, donc j'avais reporté ça à 21h. Je vais vous montrer, hein, on peut faire le combo par exemple, je vais faire coup de poing, coup de tête. Hop, vous voyez. Donc là moi je le fais avec les touches directement, je me fais pas chier, je fais la touche de coup de poing et la touche pour le coup de tête. Mais on peut, en plus je joue mal là, on peut les faire autrement. Par exemple quand on donne un coup de poing et qu'on reste appuyé sur point, si on fait flèche avant il donne le coup de tête. Donc on peut le faire comme ça très facilement. Regardez, je vais le refaire sur lui. Merde, je l'ai raté là, je voulais me mettre à la limite. Ok, à la relevée, j'aurais peut-être dû lui donner voilà, un uppercut et là je vais le faire là. Donc regardez, point avant. Vous voyez, en fait en donnant point, je reste en avant. Et il y en a un autre, c'est si on fait deux fois point et avant, voilà, on saute et on donne un petit coup de coude. Il y a bien évidemment toujours les shops. Hein. Alors je vais vous montrer. Alors ça va, content de Double Dragon 4. Alors ouais, j'aime bien, hein, franchement. Le jeu est. C'est pas un truc de fou si tu veux, Otani Sensei. Le jeu, voilà quoi. Bah, ça reste du Double Dragon à l'ancienne, malheureusement. Ou heureusement, tout dépend des goûts des gens. Moi, personnellement, je trouve que l'aspect graphique, le délire à l'ancienne, ça me gêne pas. Là où c'est gênant, c'est au niveau des possibilités, etc. T'as pas très longtemps, on avait eu Double Dragon Néon, qui graphiquement, voilà, j'avais très critiqué au début, je trouvais ça dégueulasse, hein, la DA, je n'aimais pas. Par contre, niveau gameplay, c'était une boucherie le jeu, tu vois. Et puis là, bah, t'as, graphiquement, c'est à l'ancienne, donc bon... Ça, on peut aimer ou pas, hein. Là ça ressemble au Double Dragon, vraiment la DA des anciens Double Dragon, hein, des trois premiers. Mais au niveau du gameplay, ça a pas super évolué, tu vois. C'est ce qui est un peu con. Alors Néon, j'avais vraiment aimé. Ouais, pareil, hein, j'ai bien kiffé le Néon. Hop.
Bon, lui, on peut pas le choper, hein, donc je vais juste l'enchaîner comme ça. Je vais vous montrer, il y a un combo que... Ah bah, il est mort. Un combo que j'aime bien faire, en fait, c'est point-pied. Après, je fais l'attaque spéciale du pied et le coup de genou, l'espèce de shoryuken du genou. Alors là, le petit truc un peu à la con, c'est que Burnov, là, c'est l'ennemi qu'on a tué, hein, qui avait l'espèce de masque de soudure, et lui, quand il crève, en fait, il se désintègre. Sauf que là, vous voyez qu'il y a une scène de dialogue... Il y a une scène de dialogue où il est en fait encore là. Alors, il est dispo sur Vita, le jeu, en portable, tu pardonnes facilement. Ah, bonne question, Otani, je sais pas du tout. Faudrait vérifier, au pire, si tu veux, je verrai ça et je te le dirai. Mais sur console, il est à 12€, sur PS4. Alors que sur PC, je crois qu'ils le vendent à 6 sur Steam. Donc il y a un peu une couille déjà quelque part là par rapport à ça, sachant que dans les deux cas, c'est que du démat, hein, que tu le prennes sur PS4 ou sur Steam. C'est uniquement un jeu en démat. Et c'est un peu con, tu vois, je trouve qu'il... Après, je les regrette pas, mes 12 balles hein, dedans, tu vois, mais je comprends toujours pas pourquoi certains font ça. Les éditeurs, pourquoi est-ce qu'ils vendent moins cher sur PC que... Enfin, après voilà, c'est un désavantage aussi de jouer sur PC, mais je sais pas, pour des petits jeux des maths comme ça ou pour certains jeux en D, je me sens volé moi quand je vois que le même jeu on l'a à deux prix différents, tu vois. Encore pour les gros jeux sur PC je peux comprendre parce que bon eux ils les ont quasiment qu'en des maths. Nous on les a en boîte, etc. On a des avantages que eux n'ont pas, on peut revendre notre jeu, eux ne peuvent pas. Mais là c'est la même merde pour les deux, tu vois, que je le prenne sur PC ou sur PS4, c'est uniquement du des maths. Donc je trouve ça un peu con. Mais bon, enfin bref. Donc là je vous ai montré le combo que je vous ai dit. Hop. Voilà. On va se le faire. Ah mais je suis con. En plus j'ai fini la... Bon tant pis, on va aussi finir la mission 2. J'avais dit que je ferais une mission par perso. Donc normalement là en finissant la mission 1, j'aurais dû quitter et mettre la 2 avec un autre perso, etc. Mais bon tant pis, on va faire quand même la mission 2 avec lui. Et après on passera à la mission 3, on changera. Vous allez voir, il y a tout un tas. À la base, on a que deux persos de joie, mais il n'y a que Billy et Jimmy. Sauf que quand vous finissez le jeu, vous débloquez le mode tour. Et dans ce mode-là, tous les 10 niveaux que vous finissez, vous débloquez les modes perso pour le mode histoire. Il n'était pas en réduc en PS Plus, il me semble pas l'avoir vu à 10 euros. Alors attends, ça fait un combat en même temps, c'est compliqué de lire. Il me semblerait pas l'avoir vu à 10 euros les premiers jours. C'est peut-être moi qui hallucine. Ah, je sais pas du tout, c'est possible, hein, Otani. Moi, je l'ai pris pendant les premiers jours, mais je suis pas PS Plus. Donc, je l'ai payé au prix normal, quoi, 12 euros, enfin 11,99. Et le truc que j'aime bien par contre dans ce Double Dragon là, c'est qu'il y a, j'ai l'impression que c'est des clins d'œil qui sont faits à Super Double Dragon, au Double Dragon, celui que moi j'appelais avant Double Dragon 4 hein, sur Super Nintendo. Par exemple là, le niveau du camion et d'autres niveaux font penser à celui-là. Donc là, on avait dit mission 3, voilà. Ah ouais, il y a les langues aussi, je ne l'ai pas dit, bon après on s'en fout, hein, on va jouer en français, mais il y a tout un tas de langues, ils ne sont pas fait chier, ils ont même laissé le Jap, le coréen, tout ça. Alors, en tout cas, j'ai loupé un peu les trophées. Il y a du contenu apparemment sur toute la tour. Ouais, et c'est chaud, hein. La tour, il y a 100 étages. Moi, mon record, c'est je suis arrivé au 40e étage. Je ne l'ai pas fini. Et c'est super chaud. Tiens, je vais jouer avec... Ouais, alors, on va prendre le karatéka. Il est super fort, celui-là. Après, ouais, au niveau du mode histoire, t'as 12 niveaux. T'as un mode 2 joueurs. Tu peux faire du versus à 2. Par contre, c'est valable uniquement à 2. On ne peut malheureusement pas le faire contre l'IA. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de versus contre l'IA, il n'y a pas non plus de mode en ligne si tu veux jouer, c'est uniquement en coop local. Après bon, sur PS4, grâce au jeu en partage, si peut-être toi et ton pote vous avez une bonne connexion, vous pouvez jouer en ligne comme ça, mais bah, personnellement j'ai pas cette chance, donc je suis obligé de jouer en local. Ils ont pas pensé à faire un vrai mode de joueur en ligne, quoi, c'est uniquement du local, donc ça c'est un peu con. Et puis t'as le mode tour. Alors ce perso là, ce qui est bien avec lui, c'est que bon, avec Ron il donne ce coup là qui est assez puissant. Avec L1, enfin moi je les ai configurés comme ça, hein. Son autre attaque spéciale c'est ça, c'est une espèce de contre, en fait quand il fait ça il devient vulnérable. Et si quelqu'un se trouve devant lui à ce moment là, bah il se fait éjecter. Je sais pas, c'est une espèce d'attaque de ki ou autre, c'est super puissant. Alors attendez, je vais juste mettre pause de ce coup, je vais aller voir sur GameCube s'il y a des commentaires. Alors 21001, il est où le stream là, remboursé? Ah c'était toi Tony, ok.
C'est dommage qu'il n'y ait pas de mode online. Ouais, c'est vraiment dommage. Après, heureusement, il y a quand même du local. Tu vois, moi, en général, j'aime bien qu'ils mettent du online, mais qu'ils mettent au moins de base le local. Tu vois, le local, pour moi, c'est une priorité. C'est d'abord le local. Après, ils pensent à mettre du online, tu vois. Et ça aurait été pas une de refus, quoi, parce que le jeu, voilà, c'est... Personnellement, là, moi, je joue quasiment tout le temps tout seul. Je joue vite fait avec mon petit neveu, mais bon, on va pas bien loin. Hein. Tu te doutes bien qu'avec un enfant, c'est pas... C'est super chaud, quoi. De temps en temps, tu peux faire des parties avec des potes, mais bon, tu te doutes bien qu'arriver à un certain âge avec le boulot, etc., la vie de famille, t'as plus trop le temps pour faire ça, hein, le local à la maison. C'est bien quand t'es plus jeune, tu vois, mais arriver à un certain âge, c'est fini, quoi. Peut-être plus tard, via une mage, tout n'est pas perdu. Ouais, voilà, c'est ce que je me dis aussi. Tiens, bah, on a fini ce stage-là. On va quitter. Alors, hop, niveau 4, histoire, et on va prendre à Bobo. Et le choix de mission, en fait, c'est à chaque fois que vous finissez un stage, je vous explique, hein, parce que ça, c'est écrit nulle part. En fait, il y a certaines choses qui sont... C'est pas expliqué, c'est un peu un délire à la... C'est From Software qui a fait le jeu, je crois. Il vous donne le jeu comme ça, et puis démerdez-vous. En fait, le choix de niveau, c'est écrit nulle part. Il n'y a même pas de notice virtuelle ou quoi avec le jeu, je vous explique rien. Et en fait, c'est quand vous finissez un stage, vous pouvez, à l'écran titre, faire start pour recommencer à partir de ce niveau. Et vous recommencez, bien évidemment, avec tous vos crédits, toute votre vie, etc. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'avec la plupart des persos du jeu, on ne peut pas ramasser les caisses ni les armes. Les Billy et Jimmy, eux, les frères, ils peuvent ramasser tout. Et il y a certains persos qui peuvent ramasser uniquement certaines armes, mais pas toutes. Et il y a par exemple un Bobo qui ne peut ramasser strictement rien. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Hein. Parce que bon, il n'en a pas besoin. Hein. Bobo, il cogne tellement fort que... Voilà quoi, il a vraiment pas besoin de ça. Après, ce qui est fort avec les persos, tout le monde sauf Billy et Jimmy, en fait, à chaque fois que vous finissez un niveau avec eux, vous récupérez toute votre santé. En fait, avec les frères, vous récupérez que dalle. Quand vous finissez un niveau, s'il vous restez qu'un carré de vie, vous commencez le prochain stage avec votre seul et unique carré de vie. Avec les deux frères. Hein. Par contre, avec tous les autres persos, bah, y a pas ça. Le mec, il sort de Ken, ouais. le gros géant chauve, ouais, c'est un peu un perso là au couteau de Ken. Mais il était dans les anciens, hein, Bobo. Tiens, bah regarde, là, il est là, je me tape contre lui. C'était un peu le gros cogneur, le gros bourrin, le gros enculé qui te faisait perdre toutes tes vies. Qui te faisait super mal, parce qu'en plus, il a une portée de malade, il était craqué, quoi. Mais les Double Dragons, ça a toujours été des jeux durs. Hein. Personnellement, moi, j'avais pas le souvenir... d'avoir été bien loin dans les anciens, à part le premier, je crois que le premier je l'avais terminé, c'est le seul qui me semble avoir fini sur NES hein, à l'époque. Après celui sur Super Nintendo, il était déjà un peu plus accessible, je l'avais terminé, je l'avais fini, même s'il était quand même un peu chaud. Mais bon, le néon, voilà, c'est un Double Dragon Next Gen, forcément, ils ont mis le mode facile, mode normal, mode dur, etc. Et ça, c'était sympa. Mais celui-là, ils l'ont vraiment fait old school, il n'y a pas de choix de difficulté, rien, et la première fois, tu te fais défoncer la gueule. Hein. Moi, j'ai dû recommencer... parce qu'en plus de ça, je savais pas qu'on pouvait sélectionner les niveaux, etc. Donc à chaque fois, je recommençais vraiment du début, hein, du premier niveau, etc. J'ai recommencé, je crois que j'ai réussi au bout de la cinquième fois. Au bout de ma cinquième partie, j'ai fini par terminer le jeu avec un des deux frères. Tu vois, sachant que les deux, c'est la même. Hein, que tu prennes Billy ou Jimmy, il me semble qu'ils ont c'est exactement la même chose. Et quand tu joues à un, t'as que 5 crédits, alors que quand vous êtes deux, vous en avez 7. Par contre, il y a plus d'ennemis, donc c'est un double tranchant, tu vois. Par exemple, moi qui joue avec mon neveu, c'est bien, on a 7 crédits, mais en réalité, je me fais défoncer la gueule deux fois plus, quoi. Parce que bon, je me doute bien qu'en jouant avec un mioche, c'est pas pareil, tu vois. Il y a plus d'ennemis, et lui, des fois, il va pas se prendre la tête à laisser faire. Et ouais, donc j'ai recommencé un sacré nombre de fois, et il y a des pièges dans les derniers niveaux, c'est vraiment de la... C'est des salopards, ils ont mis des pièges, par exemple t'as un truc où tu tournes en boucle à l'infini, il y a plusieurs portes à prendre et si tu te trompes, si tu prends celle qu'il faut pas à un certain moment, ça te ramène au tout début, à la toute première porte, donc tu recommences et bien évidemment tous les ennemis réapparaissent, hein. Sinon ça serait pas marrant. Et t'as d'autres conneries comme ça où tu tournes en boucle dans un autre niveau, donc faut pas se faire avoir quoi, c'est chaud. Alors les 7 crédits avec le neveu, c'est comme si tu avais que 2 vies quoi. C'est un peu ça, parce que moi en plus je t'ai dit, c'est vraiment, quand il y a trop de monde, il flippe, il se barre.
il me laisse tout seul en fait me faire défoncer. En fait, il se met à un coin de l'écran. Par exemple, si tu vas tout en bas dans ce jeu, c'est marrant, ou tout en haut, ben, les ennemis te suivent mais te tapent pas. Regarde, par exemple, tant que je reste là, ils ne peuvent en aucun cas. Enfin, certains ennemis peuvent quand même te toucher, hein, ils ont des attaques un peu craquées, mais ils ne descendent pas jusqu'au premier plan. En fait, c'est comme si tu avais plusieurs plans, hein, tu vois. Il y a... Si tu vas tout en haut, enfin, on va vérifier, je crois que c'est pareil. Par contre, ils ont un truc craqué, c'est qu'ils peuvent te suivre. Enfin, là, avec Abobo, je peux me sauver facilement parce qu'il peut courir vite. Mais avec les autres persos qui peuvent pas cavaler, tu ne peux que. Par exemple, je vais essayer là de descendre et de taper le mec en vert. Regarde bien comment il me suit, hein. Mais tu verras que cet enculé, à partir du moment où je vais faire flèche en bas, il va me marteler avec ses bâtons. Ah bah non, bah là je l'ai eu. J'ai réussi à taper tout de suite. Mais des fois, t'as pas le temps, c'est à la frappe près. Ils te boxent et puis t'as des ennemis qui ont des attaques à distance, etc. Et ils en profitent bien. L'IA, des fois, elle a vraiment tout pour s'ouvrir la vie. C'est pour ça que, par exemple, les attaques à la relevée, je vais te montrer vite fait. Après, je vais quitter d'abord. Et je vais te montrer ça avec le prochain perso. Donc, on va faire hop. Donc, mission 7, histoire, et on va prendre le shinobi. Et les attaques à la relevée, en fait, si tu fais. Ah non, c'était mission 5, pardon. Hop, mission 5, et on prend le ninja. Les attaques à la relevée, en fait, elles ont une frame d'invulnérabilité. Attends, mais je me suis dépouillé, je crois que j'avais pas fini le stage, en fait. Je suis con. Bon, tant pis, on va le faire avec lui. Tu vois, par exemple, avec lui, à cette attaque-là, à la relevée, donc, quand tu la fais, regarde, là, je vais le faire. T'as une petite frame d'invulnérabilité et tu peux taper. Ou il a l'autre. Je vais faire celle avec pied, je crois que c'est sa meilleure avec pied. Il fait ça là, il a une griffe au niveau de la main. Enfin, pas, je crois que c'est juste ses doigts en fait. Hein. Comme c'est. Ouais, je crois que c'est juste ses doigts. Et lui en fait, il est craqué ce ninja parce que déjà il se déplace super vite. Il tape super vite et il a une attaque à distance. Tu peux jeter des shurikens, il en a 20 de base. Sauf qu'à chaque fois que tu finis un niveau, bah, ça te remet tous tes shurikens. Et des fois même, t'as pas besoin de terminer un niveau, c'est juste t'arrives à un checkpoint en fait d'un niveau. Enfin, pas vraiment de checkpoint, hein, mais t'arrives à un certain endroit d'un niveau, ça te remet quelques shurikens, voire même tout. Hein, ça peut tous te les remettre, ça dépend des niveaux. Il est stylé le perso, ouais, perso, c'est mon préféré celui-là. Il est craqué, il fait mal, il a tout. Ah oui, les ennemis ont une esquive. Enfin, je sais pas si t'as cramé, des fois les ennemis se baissent. Quand je fais une attaque à la relevée, regarde, des fois on peut les voir le faire. Eh ben, ça, c'est une esquive qu'ils ont que toi tu ne peux pas faire. Tu peux en aucun cas esquiver les coups ou te protéger. Eux non plus ils ne peuvent pas se protéger, par contre, ils peuvent esquiver tous tes coups. C'est quoi alors cette arnaque là? J'étais où tout à l'heure? Ah ouais, d'accord. En fait, là quand tu mets mission 6 ici, tu commences là. D'accord, bon bah on va continuer avec lui comme ça. Au pire, c'est pas grave. Parce que tout à l'heure, quand j'ai mis, il me semblait avoir mis mission 6 et j'ai commencé directement ailleurs. À un autre endroit, une autre partie de la mission. Enfin, sauf si je me suis trompé, j'ai peut-être mis la mission 7. Hein, j'ai pas fait gaffe. Enfin, c'est pas très grave. On va en refaire une avec lui là. On va faire ce tableau là. De toute façon, je l'aime bien, le ninja. Par exemple, lui, là, celui que je viens de buter, il peut envoyer une espèce de chaîne avec un boulet au bout, et ça fait un aller-retour. Sauf que le truc de salaud, c'est que, bon, déjà, il en a à l'infini, mais en plus de ça, quand t'es au sol, il s'amuse à en balancer express pour pas que ça te touche, hein, ça va aller derrière toi, mais comme ça, au moment où tu te relèves, bah, tu te les prends, tu vois. Parce que eux, ils vont bien évidemment pas te laisser trop loin, ils vont exercer une sorte de pressing pour que toi, quand tu te lèves, t'essayes de taper directement. Ouais, l'OST est vraiment bonne, hein, reprend certains thèmes de la série. Et ce qui est bien, c'est que bah, je vais te montrer là en quittant après cette mission là, tu peux mettre les sons en mode rétro. Alors là, regarde le troll, lui, une fois sur deux, il me fait ça. En fait, tu vois là, quand je vais arriver en haut, il va faire un saut de karaté que je pourrais pas esquiver. Donc, soit quand j'arrive, voilà, bah. Ouais, non, bah, je l'ai couillé. Mais des fois, ça marche pas. Au moment où tu arrives au dessus, il fait voilà le même saut que cet ennemi vient de me faire et bah, il t'enlève de la vie. Par contre, après, lui, il tombe dans le vide, voilà, bah, comme le con qui vient d'aller en bas là. Et que je vais être obligé. Oh putain. Ah oui, tu peux pas continuer le script si t'as pas tué tous les ennemis. Ça, c'est une des spécificités du jeu, c'est génial. Donc, comme là, tu vois, j'aurais pu perdre une vie très bêtement. Ah ouais, donc l'OST, je te disais, tu peux les mettre en mode rétro, les musiques toutes. Hein. T'as juste à aller dans les options et choisir rétro.
tout simplement. Voilà, lui on se le fait à distance, par contre le deuxième je vais vous montrer comment on peut se le faire hein, normalement. Ah bon bah voilà, il est con, il s'est suicidé. Sinon la technique c'est que quand il saute, tu sautes et tu fais ton attaque sauter. Sinon tu recules, t'attends et puis après il vient, tu vas le buter, tu le buteras encore tranquillement. Là on va attendre le deuxième. Ah bah lui il a eu de la chance, il est passé. Des fois il crève au même endroit que le premier. Les amis, des fois ils ont une tendance suicidaire. Et donc quoi, ouais, niveau durée de vie c'est sympa parce que t'as plein de persos, etc. T'as le mode tour où t'as 100 étages et c'est super chaud. D'ailleurs il y a une technique, hein, je vais vous donner quelques astuces là après. Je vous ai déjà montré l'astuce pour avoir une forme de zone safe où on reste tout en bas. Il y a la petite astuce où on appuie sur start au menu principal pour recommencer où on veut. Hein, on fait plusieurs fois start, il y a tous les niveaux qui apparaissent qu'on a déjà fini hein, bien évidemment. Et puis dans le mode tour, vu que tu peux jouer à deux, en fait, il y a une technique si tu as deux manettes, c'est ce que font certains pour arriver le plus loin possible, c'est que le mode tour, t'as pas du tout de vie, t'as pas de continu, donc quand t'es mort, c'est terminé. En revanche, tu peux jouer à deux. Donc ce que tu fais, c'est que même si t'es tout seul, tu peux te mettre à deux. Tu prends en fait ta deuxième manette et tu mets le deuxième joueur tout le temps tout en bas de l'écran. Comme ça, les ennemis ne le frapperont pas. Et en fait, tu joues qu'avec le premier, bon il y aura un petit peu plus d'ennemis, enfin j'ai tapé un blocage là en parlant parce que j'ai essayé de lire ton commentaire et en même temps de jouer. Et donc à chaque fois le deuxième, dès le début de chaque étage, tu le mets tout en bas, tu joues avec la première manette et puis quand t'es mort avec la première manette, tu prends la deuxième et tu continues. Donc là, je vais lire ton commentaire, alors il me semble que même pour le platine, faut finir le jeu avec tous les persos du jeu et il y en a une blinde, ouais. Il y en a beaucoup, hein. Bah attends, on va les compter si tu veux, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sachant que t'es pas obligé de, pour avoir les trophées, t'es pas obligé de le faire avec les 24. Et il y en a un 25e que j'ai pas, il y a l'homme mystère là, tu verras si, quand je vais vous montrer le mode tour. Sachant que par exemple, les deux frères là, Billy et Jimmy, t'es pas obligé de le faire avec les deux pour avoir tous les trophées. Tu le fais avec un seul, c'est bon. Pareil pour les deux filles là, t'es pas obligé de le faire avec les deux. Pareil, je crois, pour eux deux. Il me semble que tu n'es pas obligé de le faire avec les deux. Un seul, c'est bon. En fait, tu as un trophée par perso après. Sauf pour certains, je crois qu'il y en a, je me suis fait couiller. Genre, je l'ai fait avec le classique, celui-là, là. Ou celui-là. En fait, c'est Billy et Jimmy, mais des anciens de Double Dragon sur NES. Et je crois qu'avec eux, tu n'as pas de trophée. Par contre, c'est chaud, tu es obligé d'enchaîner du premier niveau jusqu'au dernier. Avec le ninja, c'est très facile. Avec les modes de joueurs, en fait, quand tu joues à deux, il y a le mode de joueurs classique où vous êtes allié, et il y a le mode de joueurs où vous pouvez vous taper dessus. Classique, hein, bah, comme dans les autres. Hein. Et donc, je te disais, par exemple, avec le ninja, c'est très facile, avec le vieux qui a les griffes, là aussi, c'est très simple, t'as certains persos, genre les anciens, les persos classiques, là, lui et lui, ils peuvent faire des... Enfin, surtout lui, je crois que lui n'en a pas, mais lui, il fait des Hadouken. Donc, t'as des persos ultra craqués, c'est super simple. Avec Abobo, c'est facile. Avec le karatéka, vu qu'il peut devenir invulnérable, là, quand il brille et il fait son attaque magique, c'est super simple. Et ça, t'as plein de persos avec lesquels c'est très facile, mais t'en as d'autres. C'est, par exemple, avec lui, Burnov, je suis arrivé au dernier stage contre le dernier boss, je suis mort. Je peux te dire que j'ai ragé comme pas possible, hein, parce que c'est lourd, en plus, avec lui. Mais, on va continuer, on va prendre la ninja. Niveau 7. Quand je finirai tous les stages, je vous mettrai le mode tour. Ouais, les vieilles astuces, Otani. Ah merde, attends. J'ai pas pensé à mettre les options. Voilà, BGM, on va mettre rétro. Histoire, comme on avait dit, on prend la ninja. Alors, je regarde s'il y a des commentaires vite fait sur GameCube. Non, il n'y en a pas. Très bien. Par contre, j'ai un bug au niveau de l'affichage. Je sais pas si vous voyez, des fois il y a des espèces de petits glitchs visuels. Si vous regardez bien l'écran, ça fait il y a une espèce de ligne horizontale, ça comme un synchronisation, pas horizon. Ouais, si les lignes elles sont horizontales, mais on les voit bouger de haut en bas comme si ça faisait une synchronisation verticale. C'est bizarre. Pareil avec les armes de jet. Par exemple, quand je prends un couteau et que je le balance, des fois on voit le couteau apparaître au sol derrière moi. Juste avant que je le jette, mon perso le tient dans la main, hein, mais juste avant que je le balance, on voit le couteau apparaître une milliseconde dans mon dos. Ou un rocher, hein, ça le fait aussi avec les rochers.
Ouais, j'ai vu, c'est chelou, je pensais que ça venait du stream. Ouais, non, c'est. Je pense que c'est peut-être un bug, ou peut-être qu'ils ont voulu vraiment la jouer de rétro en mode NES. En mode NES, quoi, faire un truc. Voilà, vous voyez ça là, les chaînes là, les boulets qui tournent, c'est l'enfoiré qui peut balancer. C'est. Bah, regardez, voilà, je vais rester là. Et l'IA est tellement faite pour vous pourrir la vie par moment, quoi, là, il les envoie à l'infini comme ça. Bon, alors, oh, putain, il m'a quand même touché. Salut, Arngrim! Donc c'est chaud. Ah bah après, heureusement, avec elle, il y a les shurikens, donc on peut l'avoir facilement, hein, cet ennemi. Mais par exemple, avec les persos lents, Burnov, etc., quand vous avez le lanceur de boulet là sur vous, c'est chaud. Surtout s'il n'est pas seul. Tiens, toi, tu vas tomber dans le vide, et toi, pareil. Alors là, faut faire gaffe avec elle parce qu'elle saute plus haut. Enfin, quand elle se déplace, elle se déplace surtout plus vite. Donc si là, je me mets au bord et j'essaye de sauter sur la plateforme, ce qu'on devrait faire normalement avec la plupart des persos, bah on peut tomber dans le vide. Donc avec elle, faut sauter un peu avant. Vous voyez ? Là, pareil, normalement, je me mets à peu près là au bord ou je me mets vers le milieu pour sauter sur la prochaine plateforme. Avec elle, vaut mieux se mettre là. Et encore, vous voyez que... Oh, putain. Regardez un peu comment elle tient. J'ai failli foirer le truc, mais pareil là parfois il y a un glitch où on réussit quand même le saut même si on est censé tomber. Ouah putain, voilà, vous avez vu? C'est ce que j'allais vous dire là, on est censé tomber dans le vide, j'aurais dû crever là, la plateforme m'a quand même rattrapé. Elle me fait penser à Jubei de Onimusha Dawn of Dream, ouais c'est vrai. Il y a du Jubei. Ah bah là vous voyez, j'ai carrément été au-dessus de la deuxième plateforme, je l'ai sauté. Regardez le truc d'enfoiré, il faut que je le mettre là, et voilà, quand j'arrive en bas, enfin, ou si je reste en haut, là, comme vous pouvez le voir, eh ben, on se fait troller. Alors, les armes de jet, des fois, c'est bizarre, elles traversent un personnage et elles pètent au deuxième qu'elles touchent, des fois, non. J'ai pas capté. Par contre, s'il y a deux persos au même endroit, quand vous envoyez une arme de jet, ça touche les deux, ça, c'est sympa. Donc là, on est au niveau 8, donc on va quitter encore, allez, hop, mission 8, et cette fois, on va se la faire avec... qu'on va prendre je sais pas moi. Bon, allez, on va prendre lui, celui qui envoie des boulets. D'ailleurs il peut aussi envoyer des bâtons de dynamite. En fait là avec triangle j'envoie les boulets, avec R1 avec les, là, parce que moi j'ai changé les touches, hein, de base c'est pas ça. On envoie un bâton de dynamite, par contre c'est le même compteur d'objets pour les deux. Voilà, je sens que je vais me faire troller, putain. En plus, lui, il a pas d'attaque. Il est vraiment bien vulnérable à la relevée. C'est... Enfin, surtout quand les ennemis sont loin, c'est super chaud avec lui. Alors, attends, je regarde. Rembourser. Shindo retourne sur cash. Putain, ils sont en train de me boxer. C'est toujours abusé ici. En fait, le poison, c'est vraiment le lanceur de merde de boulet. Là. Il est pas possible, ce perso. Quand il est seul, encore ça va. Mais quand ils sont 2-3 et que lui, il reste loin. D'ailleurs, bah, il y en aura plusieurs. Là, vous allez voir là ici. Après, ce qui est bien par contre, c'est que quand vous êtes en 1v1 contre l'IA, c'est quasi des combos à l'infini. Vous avez juste à lui faire une mise au sol et à chaque fois vous vous mettez dans son dos à la relever, vous retapez, vous remettez dans le dos, vous retapez, etc. Et c'est super simple pour ça, mais vu qu'ils sont tout le temps 50, bah, c'est pas pareil. Je suis à la fin de Berseria. Oh, ok. Alors, t'en penses quoi, Otani, alors, ce Berseria? No spoil, ouais, voilà, spoil pas parce qu'il y a Arngrim aussi, voilà, ou d'autres, il y a peut-être d'autres viewers qui sont dessus. Mais sans spoiler, tu t'en penses quoi?
que c'est les trucs avec Tales of, c'est que c'est un peu comme les FF ou d'autres jeux, t'as toujours le débat, t'as toujours ce truc qui fait polémique, c'est c'était mieux avant, ceux-là ils puent la merde, blablabla, blablabla. T'as toujours des fans en fait qui n'aiment pas. Après moi, je sais pas trop parce que je les ai pas fait, moi, tous les Tales of, j'ai joué très peu à cette série-là, mais non, t'inquiète, je comptais pas spoil de toute façon, je vais le faire après Nioh Berseria. À chaque fois, ouais, que t'as un nouveau Tales of, ça fait toujours débat. T'en as qui aiment beaucoup, tu vois, qui disent ah bah non, il est peut-être meilleur que les anciens, etc. Là, c'est une salle bien trop laisse. Regardez, la plateforme orange là, elle va se mettre à clignoter, elle peut disparaître. Et elle réapparaît bien évidemment après avoir réclignoté. Sauf qu'il y a aussi la plateforme là-bas qui tourne. Et en fait, si vous n'avez pas le bon timing, bah vous tombez. Voilà. Là encore, ça va parce que quand on est là, on se fait juste jeter contre le coin. Et ça nous tue pas. Par contre, si on est à gauche de la croix où on est au-dessus, ça nous envoie direct à gauche et soit on a de la chance, on tombe sur la plateforme orange si elle est encore là, soit on tombe dans le vide. Et bien évidemment, on perd une vie à chaque fois qu'on tombe dans le vide. Voilà, regardez par exemple le Abobo qui peut être bien, bien compliqué, bah, finalement. Il suffit juste de faire une mise au sol et c'est simple. Alors Momotaro, s'il est grave stylé, surtout le battle system qui est grave dynamique. Après niveau histoire, ça met un peu de temps à démarrer pleinement, mais une fois lancé, ça défonce. Ok. Putain, j'ai cru que c'était mes trucs à moi. Mais je préfère l'ancien modèle Tales of quand même. Ok. Alors, niveau 9, on va quitter. Hop. Histoire, à qui c'est qu'on va prendre même pas. Bah écoutez, on va prendre le petit vieux avec les griffes. Alors ça a un peu perdu de charme de Plaisilia, même si ça reste bon quand même. Ok, lui c'était un des persos qu'il y avait dans Double Dragon 3, le petit asiat là, Shinshimei je crois il s'appelle. Il était fort d'ailleurs, hein, dans Double Dragon 3. Pour info, il est mieux que FF15 au cas où. En plus avec le petit kappa là, mais sérieux, c'est quoi? C'est du troll ou pas? Parce qu'il y a le petit smiley que t'as mis là, c'est quoi? Qui en doutait? Ah ouais, Shindo aussi qui en met une couche. Non, sérieux, FF15, moi je l'ai pas fait, il m'intéressait pas, mais... Après, il y a tellement de gens qui ont chié dessus, qui l'ont encensé. Hein, de toute façon, c'est toujours dans les deux cas, hein, y a toujours ce genre de truc pour ce genre de jeu. Les jeux très attendus, en général, ça fait ça, mais... Il est vraiment, en tant que JRPG, il est meilleur que FF15, vous trouvez? Dis-moi, t'as vu les badass? Rokudo? Oh non, Rokuro? Sinon, je joue pas. Ok, ça c'est ses attaques spéciales. Putain, j'ai peut-être pas pris le meilleur des persos pour faire la mission 9. Vous voyez, quand je joue, vous défoncez la gueule, il le fait sans sommation. Regardez un peu le carnage. Voilà. Même si je fais une attaque où j'ai une frame d'invulnérabilité, là, à la rebond pour taper un certain nombre d'ennemis, bah, au moment où on retombe, on n'est plus invulnérable. Donc vous faites repêcher, voilà, par Onda. Il n'y a pas 36 000 solutions, soit à la relever vous faites une attaque spéciale comme ça pour quand même essayer de leur enlever de la vie, hein, sachant que vous allez quand même manger derrière, soit vous essayez de vous sauver en faisant un haut ou bas, mais le problème c'est qu'ils peuvent quand même vous atteindre. Alors je dis commentaire vite fait, Otani il en a mis un nom. Alors ok, haha, mais FF15 Momotaro je l'ai payé 300€ alors que je peux te dire que... Et déjà j'ai pas... Mais putain, ah t'as pris le gros collector en fait, c'est ça? Parce que pour avoir mis autant d'argent, j'ai pas aimé le jeu, alors avec ce prix j'ai la haine, du coup je pourrais
First Try Neo juste avec Maragix. Shindo, ouais, il tue grave d'ouf. Bah, au pire, le collector, tu peux toujours le revendre. Je pense qu'il y a moyen d'essayer de d'en récupérer un bon billet, non, Otani. Parce qu'en plus, il était, il me semble, en édition ultra limitée, etc. Donc, tu récupéreras peut-être pas tes 300 balles, sauf si tu tombes sur un gros collectionneur qui est prêt à carrément te le racheter même plus cher que la valeur d'achat. Mais tu peux peut-être essayer d'en récupérer un petit prix. Ouais, je vais le revendre. Ok, niveau 10, on quitte. Voilà, hop. Notre histoire. Vous savez quoi, on va essayer de jouer avec... Qui c'est qu'on va prendre? Allez, on va prendre une des deux. On va prendre Mei Shiranui. Là, hop. En fait, elle a un flingue. Regardez en bas à côté de ma barre de vie, un petit flingue avec un 6. En fait, c'est mes munitions. Alors, moi, je sais que même si le collector de KH3 va coûter 500 euros, je serais pas déçu. Vu comment il est divin 2.8 avec Aqua, ma femme. Putain, la carotte, elle a esquivé mon tir en faisant la boule de fumée, la ninja. Putain, elle est escroquerie. Après, pour FF15, ce qui fait que le collector coûte super cher, c'est juste la Play Art Kai qu'ils ont mis dedans. Hein. Sans ça, t'es sûr, il y aurait au moins 120-130 euros de moins, hein, puisque les Play Art Kai, maintenant, ils les vendent à ce prix-là. À ce prix-là, Square, avant, ça coûtait pas cher. Hein, maintenant, ils ont vu que ça marche, donc malheureusement, hein, comme beaucoup de boîtes, hein, ils s'amusent à... Ils font les cons, hein, ils voient que ça marche, ils en profitent. Comme on dit, hein, le consommateur, c'est un peu une vache à lait, donc ils se gênent pas. Hein. Après, c'est pas les seuls hein, à faire des gros collecteurs. Hein. Moi, je regarde, Arthur 3, il y a bien un collector à 300 et quelques boules. Et la Palme, je crois qu'elle reste à Resident Evil 6 avec des collecteurs où t'avais la veste en cuir à Léon. Là, je crois qu'il faisait 1000 euros ou je sais plus combien. Il y avait un collector à 1000 balles. Alors, je vais me faire huer, mais moi, je l'aime bien FF15. Par contre, je comprends ceux qui l'aiment pas à cause de nombreux défauts inadmissibles par rapport au temps de développement qu'il a pris. Puis bon, le scénario est super confus, incohérent par moment et vraiment peu fourni. Ok. Ouais, la Play Archive qui pue du chion en plus. Elle est plus naze que la Play Art Sephiroth que j'avais payé 40 euros. Ouais, mais de toute façon, c'est ça, Otani. Les Play Art, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, pourtant j'en ai pas mal, hein, j'ai collectionné. J'avais, avant les Play Art Kai, il y avait les Play Art normales. J'avais toutes les Play Art FF7 que j'ai d'ailleurs toujours. Je crois qu'il m'en manque une en fait. Je crois que ouais, j'ai pas la cloud avec la moto du jeu, la version du jeu là. Je sais plus, elle s'appelait comment, Daytona ou je sais pas quoi, Fenrir. J'ai celle du film en fait. J'avais raté celle, la version du jeu, mais sinon je les avais toutes les Play Art. Ensuite, ils ont sorti les Kai. J'en achetais quelques-unes en convention. Tu sais, je prenais les FF7, quelques autres, etc. Et je me suis rendu compte en fait qu'en réalité, c'est de la figurine articulée bas de gamme. Si tu veux, c'est bien pour de la figurine articulée, elles sont grandes, c'est bien détaillé, etc. Mais à parfois certains défauts, c'est chaud. Par exemple, moi, quand j'avais acheté la Squall FF8, mec, il avait une deuxième balafre. Il avait la balafre qu'il a au-dessus du nez, là, en diagonale, et il en avait une autre. Il y avait un défaut de fabrication, je sais pas quoi. Heureusement, je l'ai pas payé cher, et heureusement que c'était à Japan Expo, j'y suis retourné le lendemain, avec ticket de caisse, etc., et je l'avais acheté chez Square. Tu vois, et sachant que en plus de ça, ils font pas de remboursement. Quand t'es à Japan Expo, si t'achètes un truc chez eux, c'est définitif. Tu peux pas te faire rembourser. Tu peux l'échanger au cas où il y a un défaut, mais ils te rendront jamais ton argent, tu vois. Alors que c'est interdit, ça. Normalement, quand t'achètes quelque chose, il me semble que c'est dans la loi. En France, t'as le droit à, je crois, 15 jours, un truc comme ça, pour échanger ton produit s'il est toujours fermé et si t'as le ticket de caisse. T'as une preuve d'achat. Enfin bref. Et les figurines, elles avaient des défauts, laisse tomber. Par exemple, là, les Play Archive que j'ai encore, là, certaines. Par exemple, j'ai la Ninja, elle est magnifique. Et bah, y a une partie du coude qui s'est barrée. Il y a une pièce du coude qui s'est barrée. Sur mon cloud version, je crois que c'était version Dissidia, ou je sais plus, c'était... Ouais, je crois que c'est le cloud de Dissidia.
il a, comment dire, sa main droite, celle avec laquelle il tient l'épée, ben, elle tient plus l'épée. Enfin, au niveau du poignet, ça a lâché. Donc je vais être obligé de mettre de la colle forte ou je sais pas quoi. Enfin, c'est génial. C'est ici la zone que je vous ai dit où il y a trois portes, vous voyez. Si on prend tout le temps celle du milieu, au bout d'un moment ça nous fait réapparaître au tout début, tout en bas à la première. Donc moi j'ai trouvé l'astuce, c'est que je prends tout le temps celle de gauche, et au bout d'un moment j'arrive tout en haut, sans problème. Alors on va le flinguer là, le sumo, je crois qu'en deux balles il crève. Ouais voilà, bon, par contre lui je pourrais pas le tuer en deux balles. Non, il fonctionne plus, les écouteurs ils sont morts. Voilà, là on est au boss. Ce qui est bien avec ce perso là, c'est qu'en plus de son flingue, qui est déjà un avantage de ouf, elle a ce truc là, le coup de pied en fait, elle glisse. Alors, je vais aller voir, hop, vos commentaires vite fait, parce que je viens de voir ça, hop, j'étais pas sur le PC. Alors, ouais, abusé, Momota. Alors, attends, je vais lire avant. Arngrim, après, ça dépend du pourquoi tu joues au RPG, tu vois. Perso, c'est l'histoire qui passe avant le reste, donc c'est pour ça que j'aime pas. Après, un gars comme Kalas qui fait passer le battle system avant le reste, je comprends qu'il kiffe. Botany qui dit ah ouais abusé mon Motaros, elle est stylée la meuf avec son flingue. Ouais bah elle c'est un des boss de fin, tu verras en fait, elles sont deux, c'est deux jumelles. Arndrim, Botany, oui c'est tout à fait ça. Là j'en suis au chapitre 14 mais je me suis arrêté dans le scénario, je fais mes quêtes annexes. Je commence maintenant à ressentir la lassitude, j'aime pas trop les quêtes FedEx. Ok. Ah le souci avec les RPG Jap c'est un peu les quêtes FedEx, hein. C'est ça qui... Ils devraient penser leur jeu pour faire un peu plus des quêtes, enfin t'as aussi ça dans les RPG occidentaux, tu vois. Mais dans certains RPG occidentaux, je sais pas, tu joues par exemple à Skyrim, il y a tellement de quêtes annexes qu'au final, quand il y a des quêtes FedEx, tu lui ressens moins, tu vois. Et t'as plein de quêtes annexes super utiles dans le jeu, tu vois. Bon après, c'est du monde ouvert, bon enfin FF15 aussi, tu me diras, ils ont tenté le monde ouvert, mais après, de ce que j'ai pu voir, c'est malheureusement pas comme du Skyrim où t'as un monde ouvert grand. Et dense, c'est un monde ouvert grand mais vide, donc c'est un peu dommage. Qui c'est qu'on va prendre pour la mission 11? Tiens, on va prendre le lui. Putain, mais il fait des bruits des fois, les coups qu'on met. Regardez, écoutez un peu ce bruit. Que quand on touche, hein. Ah ouais, là, il y a le super abobo. C'est le seul qu'on croise dans le jeu. Un abobo gris. Ah bah voilà, il m'a buté. Je sais pas si vous avez vu, mais je crois qu'il m'a arraché 3 ou 4 carrés de vie, là. Avec, Ah bon, bah là, il est mort. Hein. Voilà. Ah bah non, vous voyez, j'ai raté, là. Oh, abusé. Là, c'est dès qu'il commence à se relever, faut taper. Voilà. Voilà, ici c'est un stage aussi où il y a un piège de l'infini. Pareil, ça la première fois j'ai perdu je sais pas combien de vie ici. Et ça m'a bien fait rager. En fait là c'est. On peut pas monter et descendre. Hein. Là c'est vraiment. On peut rester que sur ce plan là. Donc c'est vraiment du face à face les combats et c'est chaud. Mais c'est pas ça le pire, je vais vous montrer le piège de l'infini, là, ce que je vous ai dit. C'est que arrivé à un moment, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, à certains moments il y a une flèche qui vous dit faut aller en haut, à droite, en bas, etc. Et quand on arrive au bout de ce niveau, la flèche elle vous dit d'aller à droite, sauf que vous voyez une porte ouverte, donc vous allez en haut. Et si vous allez en haut, bah ça vous ramène au tout début. Je vais vous montrer, vous savez quoi, on va le faire une fois. Et puis il y a aussi cette phase de plateforme qui est bien chaude. Voilà, là je me mets là parce que je sais que ça va tourner, voilà, bah, c'est pas grave, j'ai eu le temps de le faire, mais au moins, quand je suis là où j'étais, si ça tourne, c'est pas bien grave, je vais juste perdre un peu de vie.
on se fait pas chier, on va tout droit, ça peut marcher. Bon, non, voilà, ça a pas marché. Ah, mais quoi que. Putain, le con, avec lui, j'avais juste à faire les sauts. Et ici, voilà, on est à la fin du niveau. Donc, si je vais à droite, je termine. Par contre, si là, je fais flèche en haut, regardez, ça me ramène là. Donc, les bons pièges à la con, le truc qui fait rager la première fois, parce que moi, j'y suis allé par curiosité. Je crois qu'en plus, je m'en suis pas rendu compte tout de suite la première fois. Donc, je l'ai fait deux ou trois fois, je crois, le tour. Et je perdais de la vie. Puis, au bout d'un moment, voilà, quand je suis arrivé au dernier stage, il ne restait plus de vie. Donc, la première fois que je suis arrivé au dernier niveau, c'était pas à ma première partie, hein, mais. Pas peut-être à ma deuxième ou troisième partie, bah quand j'y suis arrivé, j'avais plus assez de vie pour finir. Il me fait défoncer. Ah voilà, il a ce coup-là aussi. Hop. Oh, j'aurais peut-être pas dû sauter maintenant. Bah si, c'est bon. Oh là là, on va... Voilà, et là, on continue à droite. Et donc là, on est à la fin, enfin, quasiment à la fin du niveau. Il y a juste deux phases à faire. Ça peut vous coûter cher. Alors, si vous tombez, vous perdez une vie directement. C'est génial. Parce que déjà, les six vous causent des dégâts, mais ça encore, c'est pas le pire. Mais le fait de tomber, ça vous fait perdre tout de suite une vie. Et voilà, mission 12. Donc là, on va encore quitter et on va prendre. Bah écoutez, on va prendre le classique Billy. Ou Jimmy, je sais pas c'est lequel. Qui fait des Hadouken. Enfin, je crois que c'est lui, non? Ou c'est peut-être un autre perso de leur clan, ou je sais plus quoi. Ah, l'enfoiré. Vous avez vu ça? Il me fait exprès au moment où j'appuie sur le bouton pour faire la boucle pour être invulnérable et pour me défoncer la gueule en fait. Et je vous ai dit, l'IA des fois elle fait le taf. Regardez, je vais me mettre loin, vous allez voir au moment où je fais la boucle, ils deviennent blancs. Regardez. Bon ben non, là il l'a pas fait. Là non plus. Bon, on va essayer de plus près alors. Bon ben non, bah comme par... De toute façon, je pense que vous avez l'habitude ici. Si vous suivez mes streams depuis un moment, les fails et moi, hein, tout le temps quand je veux montrer quelque chose que ça foire. Ah bah là il l'a fait, vous avez vu le blanc? Le deuxième. Ok, ok. Voilà, et là on est au boss de fin. Donc admirer un peu le à quel point ils ont une idée géniale. Donc là il y a déjà le sumo plus le blond, c'est déjà deux ennemis assez chauds qu'il y a dans le jeu. Et le boss, voilà, c'est les deux sœurs jumelles, elles ont les flingues. Attaque bien évidemment imparable. Et regardez là, j'ai toute ma vie. Regardez, je vais la laisser me tirer dessus. Paf, 3 carrés dans la tête. Bah même 4, hein, voilà. C'est garanti. Ce truc là, il n'y a pas d'échappatoire. C'est soit vous esquivez, soit vous morflez. D'accord, celui-là il n'a pas l'attaque au corps à corps. Et voilà. Alors. Et voilà, c'est fini. Bon bah on a fini toutes les missions, je vais juste vous laisser admirer l'époustouflante fin. Oh même pas! Ah les escrocs, bah oui, comme j'ai commencé directement au niveau 12, ou c'est peut-être parce que je joue pas avec un des deux frères. Je crois qu'il faut jouer avec un des deux frères pour avoir la fin. Bon bah tant pis, hein, vous la verrez pas. Bon, je vais juste vous montrer le mode de player duel, enfin je pourrais pas le faire, mais juste vous montrer voilà la liste des persos, etc. En plus c'est sympa, on voit même leurs noms, parce que moi je les connais pas à chaque fois, enfin à part à Bobo, Billy, Jimmy et quelques autres vite fait. J'ai oublié les autres ou alors je les connaissais pas. Alors attendez, je vais juste jeter un coup d'œil à vos commentaires. Parce que là je suis plus devant le PC. Tac tac tac. Alors oui, les playarts, c'est de la poudre aux yeux, plus de ce que tu disais.
tu vois les protos, tu dis waouh la classe, mais une fois que tu l'as en main, les finitions sont dégueulasses. Ouais, c'est un peu chaud, c'est dommage. Comme les Amiibo, hein, tu me dis, sauf que bon, encore un Amiibo c'est 15 balles. Hein. Maintenant, une Playart c'est dans les 100-150 boules, ça fait un peu mal. Classe le punk à la Okutonoken. Ok, tac tac tac. Bon, très bien. Alors, hop, je vais quitter le PC et je retourne sur le jeu. Alors, on va remettre les musiques en mode normal. Hein. On a écouté assez de musique en mode rétro. Et là, on va se faire le mode de la tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, j'ai ma deuxième manette. Ouais, non, vous savez quoi, on va le faire à 1, parce que si j'appuie là, ça risque de vous mettre un écran bleu, parce que la deuxième manette, elle est branchée là, mais c'est un arcade stick. Et je vais devoir le connecter à un compte, etc. Et vous laisser tomber. On va le faire à 1, c'est pas grave. De toute façon, à 2, c'était juste pour tricher, pour vous montrer qu'on peut bien le faire, mais au pire, c'est pas grave, je vais vous montrer même à 1. Vous avez juste à vous mettre là, voilà, avec le deuxième joueur. Et ils ne pourront pas vous toucher. Et puis avec le premier, vous les défoncez. Par contre, j'ai pas pris le. Ouais, non. J'ai pas pris le meilleur des persos pour ça. On va reprendre le ninja. Parce que c'est celui avec lequel je pense pouvoir arriver le plus loin. Par contre, vous avez vu que les ennemis, c'est pas les mêmes en fonction de votre perso. Alors, quand vous battez tous les ennemis d'un étage, c'est automatique, hein, y a pas besoin d'aller prendre l'escalier. Ça vous met direct à l'étage suivant. Moi, je le fais juste pour me délire comme ça, mais en réalité... On n'est pas obligé de le... Enfin, ça sert même à rien. C'est même pas... On n'est pas obligé, c'est inutile. Et donc moi, mon record en trichant, hein, donc en utilisant la technique des deux joueurs, c'est le 40e étage. Et je l'ai pas fini, le 40e étage. Quand on termine le 40e étage, on débloque un perso caché, on débloque l'homme mystérieux. Je crois que c'était un boss dans un ancien Double Dragon, je suis pas sûr. Et les shurikens, ça, enfin les armes de jet là, en fonction de votre perso, ça vous rend à un intervalle, je sais pas si c'est au bout d'un certain nombre d'ennemis vaincus ou un certain nombre d'étages passés, mais on en récupère. Par contre, on récupère jamais de vie. Donc c'est vraiment un mode survival comme à l'ancienne, quoi. C'est un des plus chiants, voilà, vaut mieux le défoncer. Putain, merde à bobo. En fait, ici, quand vous finissez le jeu la première fois, le mode histoire, vous débloquez ce mode tour. Et c'est en faisant tous les 10 étages, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, vous débloquerez les persos que je vous ai montrés pour le mode histoire. Parce qu'à la base, en finissant le mode histoire, vous débloquez juste des persos pour le mode duel à deux. Pour les débloquer vraiment en mode solo, c'est ce mode-là qu'il faut faire. Et je crois que c'est quand on finit le 40e étage qu'on débloque le dernier perso, donc celui qui me manque, hein, le fameux homme mystère. Elle, je vais pas te faire chier, voilà, une shuriken, j'aurais dû lui envoyer même avant. Parce que les ninjas, c'est qui tout double avec elle, vous pouvez les défoncer très rapidement. Ou comme elles peuvent vous pourrir la vie et vous faire super mal. Si elle vous envoie le nuage de fumée et qu'après elle vous spamme de shuriken ou autre, c'est la merde.
Voilà, le sumo, faut jamais rester loin devant lui. Si vous vous rapprochez de lui, faut tout de suite vous coller à lui et mettre des coups de poing. Parce que sinon, soit il vous spam bah voilà, le coup de ventre, voilà. Soit si vous mettez trop de temps à le taper au corps à corps, il vous met des baffes et... En fait, il fait super mal, hein. il est pas lent pour rien. Hein. Le sumo, c'est vraiment un bourrin. C'est un peu comme Abobo, enfin, sauf que... Ouais, si, c'est un peu comme Abobo, parce qu'Abobo aussi, il a une attaque où il se met à courir. Et ça fait super mal. Regardez, là, on va manipuler un peu déjà, voilà, on le laisse faire ça, et hop, on va le coller. Une fois qu'il a eu sa première mise au sol, c'est simple. Bon, heureusement, je me suis pris le coup de pied. C'est mieux que de se prendre une balle. Vous allez voir, après, dans les autres stages, des fois, ils vont m'envoyer les deux sœurs. Donc, vous voyez que là, on n'est pas encore très loin. Étage 24, ils ont déjà mis le boss de fin. Enfin, ils ont pas mis les deux, hein, mais... s'amuse déjà à vous en balancer, quoi. Ah bah là, il y a les deux. Il y a des étages vraiment gratuits, hein, dans le sens où vous n'avez même pas besoin d'utiliser de shuriken, rien, les ennemis sont simples. Mais des fois, il y en a où... Enfin, je me suis trompé, c'est lui que j'aurais dû viser avec... lui en premier. Parce que s'il se met à envoyer ses chaînes, je suis dans la merde, hein, ces espèces de boulets. Ah, mais c'est pas ce coup-là que je voulais faire. Des fois, à la relever, au coup, c'est bizarre. Oh là là, c'est vrai qu'il y a lui qui envoie. C'est la douchette. Putain, mais cache-toi! Ils sont en train de me faire spammer d'Hadouken avant le moment. En fait, ce niveau, j'ai eu peur quand je les ai vus d'un coup comme ça, mais je pense faut y aller à la shuriken dès qu'on arrive là. Bon, bah, je pense qu'on n'atteindra pas l'étage 40 cette fois. Voilà. Ah, il est chiant lui avec ses sauts de karaté là. Et ben voilà. Étage 32, 88 ennemis vaincus. C'est génial. Et en plus, vous avez vu l'enfoiré, il continue à taper. Genre, je t'en ai pas mis assez, tu vois. Alors attendez, je vais jeter un coup d'œil à vos commentaires vite fait. Attends, il m'a deux secondes. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. Alors, chaud pour les 100 étages. Ça se voit. Ah ouais, ça va être la merde. Hein. Et si tu veux le platine, faut faire les. Parce qu'il y a un platine hein, dans ce jeu. Faut faire les 100 étages. Doigt dans le nez, les 100 étages. Je me rappelle que dans les anciens Double Dragon, t'avais des abobos verts. Au bout d'un moment, ils sont toujours dans un stage War Dream. Bah, je crois que t'étais pas encore sur le stream, mais dans le niveau du bateau. Ouais, c'est dans le bateau. Il me semble que tu te bats contre un abobo vert et vers la fin, il y a un abobo gris. Alors le bordel, clair, chaud pour pas se prendre des coups là-dedans. XD. Ouais, c'est super chaud. Et là j'étais seul, tu vois, mais la technique en fait c'est que faut le faire à deux. Et hop, on va changer de perso, vous savez quoi, on va prendre. Y'a qui d'autre qui est. Allez, on va prendre lui là. Avec son attaque magique, on va essayer de spammer ça. Voilà, en plus elle peut one shot. Donc Bah moi j'ai vu une vidéo où deux joueurs, enfin ils jouent à deux,
ils se font les 100 étages, mais ils utilisent l'homme mystère. Et l'homme mystère, on l'a à partir de l'étage 40. Et moi, mon record, c'est, je suis arrivé à l'étage 40, mais je l'ai pas fini. Donc on va essayer, hein. Peut-être qu'avec lui, ça m'a l'air assez craqué. On va essayer avec lui, puis son attaque spéciale, elle est limitée. Je pense que si je prends lui deux fois, c'est peut-être faisable. Sauf que voilà, à la fin de l'animation de l'attaque, je suis immobile, hein, je peux rien faire, mais eux, ils ont le temps de me taper. Ça one shot même les abobo, putain. Et elle est vraiment puissante cette attaque. Enfin, les... je crois qu'elle les one shotera pas tout le temps, mais putain, ce no skill absolu. Oh, qu'un bouton tout le temps le même. Allez hop, dégage. Ah, je l'ai fait trop tôt, putain de bâtard. Ah, et voilà. Quand je vous disais, quand l'IA elle veut pas que vous gagnez, vous gagnez pas. L'IA, c'est l'IA qui décide. C'est un peu comme le mode survie dans Street Fighter 5. C'est l'IA qui commande. Toi t'es spectateur de ta défaite, tu vois. Désolé pour le spectacle, hein, les gars, c'est... je pense que c'est devenu plus chiant qu'autre chose à regarder, là, mais j'ai envie de réussir cet étage 40 pour vous montrer le mystère, et je pense qu'il y a... De toute façon, c'est simple, je peux y arriver qu'avec ce perso-là, le ninja, ou éventuellement à Bobo. Et encore, je vous ai dit, c'est l'autre... quand je l'ai fait, je vais jouer à deux. Là, en solo, je sais pas, peut-être que là, je vais y arriver. On verra. Oh, les enfoirés, il faut que je la tue, elle, en priorité. On peut la boxer parce que elle a pas, à part son flingue, elle a rien de bien dangereux. Oh, le troll, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a contré mon attaque avec la même. Oh là là, ça commence. Heureusement, quand je fais cette attaque, je suis invulnérable. Hein. Enfin, pendant le début de l'animation.
Enfin, je suis bientôt, c'est à l'étage 30 qu'il y a les connards qui m'ont défoncé tout à l'heure là, ce double dragon 3. Allez là. Voilà, faut faire un peu en avance parce qu'il est super agressif. Lui. Bien évidemment, si on reste loin, il va nous la faire à l'envers, puisque vu que c'est Hadouken, il est tranquille à distance, il s'en fout, hein, ça ne nous touche pas, il en fait à l'infini. Allez, on peut le faire. Mais non, mais casse-toi avec ta bouquine, quoi. Voilà, je vais mourir. Et voilà. Oh, ben, c'est les deux frères qui m'ont boxé. Bon. Bah écoutez, c'était sympa, hein, mais voilà quoi. Mais juste... même pas, je peux même pas aller voir vos commentaires là, parce que depuis les PC, il est occupé. Écoutez, c'est sur ces belles images qu'on va se laisser. Je vous tiendrai au courant. Au pire, je pense je vais pas tarder à mettre un test du jeu sur le blog, parce que j'ai déjà quasiment tout fait. Là, le mot tour, c'est juste du bonus, quoi. Je l'ai pas terminé, mais enfin, je pense pas que je le finirai. Hein. C'est vraiment super chaud. Mais je vous tiendrai au courant si j'ai au moins réussi l'étage 40 en trichant, en jouant à deux. Mais là c'est chaud, franchement à 1 c'est trop dur, c'est super chaud. Après j'ai peut-être pas le skill qu'il faut pour aussi, hein. Je joue pas de la meilleure des façons, mais bon. Enfin bref, bah écoutez, merci encore à vous d'être passé sur le stream. Ah bah attendez si, je vais pouvoir regarder toutes vos commentaires et après je vais y aller. Alors, la technique de salle. Oui, c'est carrément Takuma de Kof. Ouais bah hier tu sais quoi Andrew, je regardais un stream de quelqu'un sur YouTube du Forban du Net et elle a sorti la même chose. Alors les anciens double dragons, t'avais des... Ah oui, les abobos verts, ça on l'a déjà dit, de prendre des coups, celui-là, ok, le perso cramé. Armling, c'est vrai qu'il lui ressemble, carrément. Et voilà, il disait à deux manettes, t'aurais pu avoir le perso, ouais. Mais c'est ce que je vais faire, je pense que je vais prendre les deux... Je vais prendre deux fois le Takuma, là, et ça va peut-être le faire. Salam, Ninjado, ça va ou quoi? Comment ça va? Je suis méga chaud pour Nio, je dors plus. Mais t'inquiète, encore dans quelques jours, et enfin, je pense toi, en plus, t'as dû le prendre en boîte. Donc, à mon avis, tu l'auras peut-être un jour ou deux en avance. Si t'as de la chance, les boutiques, elles le lâcheront peut-être avant. Ou si tu vas sur Paris, il y a certaines boutiques qui le lâchent déjà. Donc voilà, il y a peut-être moyen, si t'es intéressé, tu peux peut-être l'avoir en avance. Moi, vu que je l'ai pris en démat avec un frère, on a fait du partage de compte, je l'aurais pas avant la sortie. Mais bon, bah écoutez les gars, c'était tout pour ce stream, bah merci à vous d'être passé. Je pense que demain je ferai un stream sur le Walking Dead, celui avec Michonne. Bon, ça sera un stream découverte, vu que je ne l'ai pas encore fait. Et je me suis dit ça pourrait être sympa, hein, de voir ça avec vous, s'il y a des fans ou autre. Moi je suis pas fan de Walking Dead, hein, j'ai vu vite fait, mais j'ai même pas vraiment regardé la série ou les comics. Hein, j'ai surtout joué au jeu à la saison 2, là où on jouait la petite Clémentine. D'ailleurs j'attends la saison 3 là. Mais donc on verra peut-être demain, je ferai un stream découverte de l'épisode Mission de Walking Dead, là, le Telltale. Et puis on verra après pour d'autres streams, hein, comme d'hab, quoi. Bah écoutez, merci encore à vous d'être passé. Et passez une bonne soirée. Allez, salut!